背負い投げのご説明をします。まず引き手なんですけども、相手の肘の横あたりを絞り込むような形で引き手を持ちます。そして引き手の使い方なんですけども、手首を外へ返しながら自分の目の位置まで引き上げるような気持ちで引き手を使います。そうすることによって、まず相手の脇の下に肘が入るだけの大きな空間ができます。そして、引き上げることによって相手の重心も上へ引き上げることができますから、投げやすくなります。今度は釣り手なんですけども、釣り手で気をつけなきゃいけないのは、自分のこの手首が後ろへ反ってしまう人が多いんですね。釣り手は内側へ巻き込むことによって、まず相手の柔道着が自分のこの指にしっかりと絡みますから取れることはありません。そして自分のこの腕の力も十分に引き出すことができますから、自分の手首は内側へねじり込むような形で、釣り手を使ってください。でこの時に自分の肘の位置なんですけども、自分の胸の真横に、これが自分の肩よりも高すぎてしまいますと、相手が反対側へすっぽ抜けてしまいます。そして自分よりも肘が前に来てしまいますと、姿勢の悪い背負い投げになってしまいますから、相手をうまく自分の背中に担ぐことができません。自分の胸の真横に持ってくるような形で肘を入れてください。背負い投げに入る一つのタイミングといたしまして、一歩目の足と同時に自分の釣り手と利き手、この自分の小指が同時に動く、同じ方向へ同時に動かすという、この動作をタイミングよくやることによってうまく背負い投げに入れます。で、背負い投げに入った時に、今度は自分の目なんですけども、自分の目線が下がらないように、下がってしまいますと自分と相手が離れてしまいます。必ず投げる方向、こちらの方向を自分の目でしっかり見ることによって姿勢のいい背負い投げになります。見てから投げる。技には崩し、作り、かけ、ね、この3つの局面があります。崩すのが大事ですね。 Donc pour Uchimata, ce qui est important, c'est de bien faire donc, le kuzushi, le déséquilibre, donc en avant. Le sulité et le nishikite, donc tout d'abord le nishikite. Donc il faut bien lever le petit doigt donc, au niveau du plafond, en fait, en l'air. なぜならば、小指が下の状態で引くところに限界が出てくると思うんだね。引く。Donc si on laisse la main en bas, le petit doigt en bas, donc on n'aura pas la bonne position pour tirer correctement. ここでストップしちゃうんですよね。Voilà, là, ça s'arrête. ですから小指を上にするとまだまだ tourner le poignet. ですから3本の指でしっかり握り込んでおかないと、この手首を返すときにこれが離れてしまう。Et donc si on met pas bien de la force dans les trois doigts inférieurs pour tenir le partenaire, il risque donc de se libérer pour bien lever. ですからまあよく子供たちに柔道のまあこういうテクニカル戦があったときは、こっちは魚を釣るように、そしてこっちは腕時計を見るように、っていうふうに説明します。
Donc lorsqu'il explique aux enfants comment bien faire, généralement il dit que pour le tsurite, donc il faut pêcher, faire un poisson, et pour le shikite, il faut regarder sa montre. Donc tout en pêchant, il est quelle heure? C'est ce qu'il dit, demande aux enfants. Donc, Monsieur Anaï, à chaque fois pour la position des pieds, lui, il se concentre surtout sur un triangle équilatéral. Donc voilà, il utilise souvent les lignes du tatami pour se figurer. Donc, comme Monsieur Anaï est gaucher, donc il pose d'abord la jambe gauche et il faut essayer d'amener le talon au niveau de la pointe du sommet. Et donc le deuxième pied, la pointe du deuxième pied doit venir au niveau du talon du premier pied. Donc généralement voilà, il faut bien un axe fixe pour tourner aussi assez rapidement, mais souvent beaucoup de personnes vont mettre le deuxième pied beaucoup trop loin comme il montre là. Voilà. Alors comme il vous a montré avant, si on pose bien le deuxième pied au niveau du talon, on a un axe bien droit. Donc si on pose le pied trop loin comme il montre là, l'axe sera donc décalé un peu bas, en gardant l'équilibre, une bonne balance. Donc si on garde bien l'équilibre et qu'on a bien fait le kozushi, on pourra projeter généralement assez facilement le tatami. Même si on a bien fait le kuzushi, mais qu'on n'est pas dans une bonne position d'équilibre, c'est très difficile de... Kuzushi, c'est échec. Ok? Échec, très important. Si vous faites ça, ça va. Échec, et... Petite chose, mais c'est très important. Pêche, 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 ok? Et puis... Là, c'est plus logique. Et là, il faut monter. Hein? C'est ça, il faut augmenter, monter. Le coude, c'est ça que vous vous blessez. Non, là, juste. Ok. C'est plus facile. Hein? La main au niveau de l'habitude. C'est ça. Pas dans ce cas-là. Au niveau de la main, c'est toujours comme ça. Et à ce moment-là, vous allez baisser avant d'attaquer. Là. Okay. Mon professeur, M. Yamamoto. Une médaille de bronze à Tokyo. Lui, il a dit, si vous faites mal pour rôter, c'est un peu difficile l'utilisation du coude. Pourquoi ne pas faire comme ça? Tout est bas. Hein? La main de pêche. Ici. Seulement le tourner. Le gamin, il veut le faire là, là, c'est un peu d'agneau, donc là, hein, automatiquement,
naturellement. Vous voyez ? Moi, je peux descendre jusqu'ici. Mais on va peut-être là. Hein? C'est plus bas possible. Sinon, c'est pas ça. Ok ? Hein? D'accord. Pas bien. Donc, toujours. Échec et cette position, posture. Allez-y. En reculant. Ok. C'est la base. Allez-y. Quand pousser et entrer, c'est un peu difficile. Il faut stopper. Il faut arrêter. Hein? On a besoin d'un moment un petit peu. Si vous voulez, c'est pas efficace.